YouTube et bienvenue dans la suite de cette arène Demonus, une arène Demonus qu'on avait déjà draftée dans un comment utiliser le plugin voilà pour le draft et là on est en train de la jouer. J'ai déjà fait une autre vidéo donc voilà et donc là ça repartit. Oh, intéressant, intéressant. Est-ce qu'on garderait pas Garde-Kourou? Le massacre pour l'implorateur là pour qu'il vienne à massacrer une 6-6 qui arrive assez rapidement. Je pense qu'on peut tenter, sachant qu'on a deux abyssales. Ok, oh, c'est fort ça. Tour 2, tour 3, tour 4. On pourrait presque avoir l'autre tour 4 qui est de plus en plus un à tous nos démons. Et ça serait un peu méga voir c'est tout. Oh, oh, la main dégueulasse. C'est ce qu'on peut appeler être curvé quoi. 2, 3, 4. Bon, ça c'est pénible, mais on va pas les taper fondamentalement. Parce que ça prendra le trade ici. Attaque sournoise. Oh, l'âme de la perdition. Ok. Correct. Non, on a pris cher là, quand même. Soyons d'accord. Plutôt content. Ça, c'est une très bonne combo. En même temps, on pourrait jouer ça. Il faudrait pas qu'il nous mette un truc trop solide qu'on puisse vraiment jouer ça intelligemment. Après on aurait pu clairement le qu'on appelle ça, le pièce, mais on aurait bien voulu mettre ça sur le board, c'est quand même solide. Ça l'embête quand même pas mal. C'est pas un tir. Ok, il va sûrement être obligé de faire l'arme s'il veut emballer ce truc. Petit cristal prochain tour. Ou éruption. Ok. Préfère qu'il tape. Ok, il tape là-dessus. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça? Presque, hein, on pourrait prendre un petit trade là, ça va booster qu'à une. Presque pu mettre ça, j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre ça pour le forcer un peu. Après, s'il a un éventail, on est très très mal. Il peut tout trade avec éventail. Si c'est top deck l'éventail, c'est pas glop. On va pas jouer autour de l'éventail. Ok, ancienne flottaison, c'est bon. Est-ce qu'il va vouloir trade une 3-1? Ah, quand même, il le fait. Ok. Pour 3, qu'est-ce qu'il peut avoir? Un agent, ça va pas être fou. Ouais. Si. Un rat déloyal, ok. Ça me va. Chaque fois que serviteur attaque, ajoute une carte. Ouh, c'est quoi ce truc? Je l'avais jamais vu.
Ok. Bon là, la bonne main de départ, hein. Bonne main démon à mort quoi. On a joué grave démon. C'était un peu abusé d'ailleurs. Allez, on y retourne. Ok, donc c'est sûr que la main c'est plus la même que tout à l'heure. On va tout jeter, hein. On veut vraiment du early. On espère en toucher. Ça sent un peu la dé. Oh, ça c'est pas cool. Pas glop ça. Allez, du early, du early, du early. Tour 3, more. Ça c'est pas bon parce qu'on n'aura pas le temps. T'as un deck chasseur incroyable, Grey. Ah, ok. Ladder. Oh, nous on n'est pas incroyable, notre main est pas incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah oui, quand même, 14-2. Là on se fait mais désosser. Après ça c'est pas mal, finalement. On va la mettre. Ah, y a pas Twitter, si t'as pas Twitter, c'est pas cool. Gray, je pense que tu l'as. Oh, pas un totem langue de feu, pas en arène, pas en arène, pas un totem langue de feu comme ça. Pas une griffe en arène. Ouais, trop hard. Ok. Ok. Est-ce que t'aurais pas envie de feu démoniaque ici? Puis de mettre ça. C'est solide, hein. Et on pourrait garder le Senjin pour le prochain tour. On met ça ou ça? Je pense que ça c'est plus dangereux pour l'instant. Ouais. Bon, il va nous sortir la 5-5 à un moment donné, quand même, à force de faire autant de totems. Tempête de foudre. Ça va. Void Color, peut-être? Plutôt que le Saint-Jean. Il fait le trade ou pas? S'il peut pas, on est bien. Puis on peut faire Saint-Jean pour le protéger et repower, on met tout dans la tête. Intéressant. Bon, il faut pas voir. Le courroux démoniaque est parfait. Hein. Parce qu'à mon avis, il va pas réussir à passer mon Senjin. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça qu'il voulait tirer dessus? Un éclair? Eh oh, ok, tu vas pas me dire qu'il a une évolution quand même. Elle est bonne là. Plutôt bon quand même, hein. Aïe aïe aïe, elle était bonne celle-là. Bon, létale, hein. Létale. Et commandeur d'argent potentiellement. Si besoin. Parce que j'ai vu qu'il avait des dégâts. Donc il peut jouer peut-être un éclair. J'ai vu que ça venait de la droite. Tout de la gauche là. Là, cette carte là. Ok.
Bien joué. Ah, ces démons, ils sont forts, ils sont forts. 5-0. Ding. Allez, c'est parti. C'est pas le même. Oh, je pense qu'on va se garder le garde-courroux. Et la régente. On va jeter le raptor. Ok, le motard. Après, on pourra avoir potentiellement un boost de garde-courroux. Genre la 2-2 là. Et ça pourrait être pas dégueu. Surtout s'il n'arrive pas à trade. S'il met une 2-3, on est très bien. Avec notre garde-courroux. Après, s'il met autre chose, on est rect. Mais bon. Ça reste un tour 2. Oh, ça c'est très fort. Tour 2, tour 3. Au pire, tour 3. Mais ce tour 3 est beaucoup plus fort. Très dur à gérer ça, quand même. Trog, parfait. Il devrait pas pouvoir gérer mon garde-courroux. En tout cas, pas facilement. Allez, pas de... Ouais, pas de taunt. Parfait. Ok. Tour 2, Hero Power. Après, on aurait pu mettre ça pour... Parce qu'on savait qu'on allait potentiellement Hero Power, mais bon. La 2-4 est tellement forte en early. Ça, c'est fort aussi. Soyons d'accord. On va empaler les deux, hein. C'est clair qu'on va empaler. On va prendre cher, par contre. Mais bon. On peut voir ce qu'on a. Déception. Après, on pourrait clairement aux F. Parce que là, on va prendre 6 quand même. Bon, après, il va nous les mettre dans la tête. Ok, tant pis. Ça, c'est pénible. On a là pas de chance parce que ça a fait 7 de 7 PV. Ça nous a mis beaucoup de dégâts. C'est clairement pas ce qu'on voulait. La griffe. Crapaud. Allez, un tour 2. Ok, c'est pas ça. Pas bien, on n'est pas bien là. On va savoir utiliser au moins son truc. Pire si top deck un totem de repas, on a moins un sur le board, mais c'est pas ouf. Sachant qu'on va prendre 3 de dégâts ici encore. Ok, ça suffit pas. Pénible, pénible, pénible. Après, on a ça qui est fort. Ah, ça va faire du bien. Moutard. Plutôt la 1-1 ou plutôt la 2-1? Je dirais plutôt la 2-1, non? Après ça, c'est un rip-hop. C'est plus fort peut-être. Surtout si je veux jouer ça. Est-ce que je suis obligé de faire des gros trades? Allez. Non, non! Non! Pas sur ce... Non! C'est pas cool! C'est pas cool. Pas cool ça non plus. On va faire ça face hein. Ah quoi qu'on a couru démoniaque. Couru démoniaque sera meilleur quand il y aura ça au bol, au sol. Oh, il y a eu bug là. Aïe non non. Pas planté. Non! Ok, on est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Soit. Soit. C'est bon.
Ça c'est bien. Après qu'est-ce qu'on peut faire? 3. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, il nous a... Oh là 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 là, j'ai eu un gros plantage de mon ordinateur. C'est revenu, mais... Oh. On a 13. On va avoir difficilement à réussir à piocher à partir de maintenant. C'est ça qui va être pénible. Pendant quelques tours, il soit assez calme avec ce qu'il met sur le terrain. Ok, ça va à peu près. Il nous faudrait quoi? La 4-4 qui booste. Ok, ça c'est pas ouf. Ça, pam, pam, pam. Et on se garde ça pour plus tard. Ça va, je pense que c'est bon. Quoique, on peut trade ici en fait. Pourrait quand même faire ça. Plutôt que d'utiliser ça. En espérant que ça fasse au moins 3. Ouais, c'est bon. Je pioche parce qu'il me faut prendre de l'avance avant qu'il mette trop de pression. C'est correct. Qu'est-ce que c'est qu'il a en main? Non. Oh, c'est pas cool le nain, mais c'est parfait. Parce que ça va prendre le nain. Massacreur, on fera ça à la fin. Hein. Non, on va faire les value trade, hein, globalement. On va piocher tout de suite. Fait combien ça? 6-0. 6-0. Yes! Bon, comme tout à l'heure, on jette tout. Alors c'est un voleur, hein. Il faut être capable de mettre la pression à un voleur. Oh non, non, non. Ah ça va, un tour 1, ça va. C'est pas mal. Ça répond très bien au voleur. C'est l'idéal pour contrer ça. Bon, il va faire sa dague, hein, sa dague à 2. Mais on va quand même péter ça. Dedans, logique. Sert à rien de mettre le taunt tout de suite. Mettra des taunts quand on voudra protéger notre 1-1 par exemple. Noir. Ok, c'est pas grave, ça c'est bien. Trait de l'ombre, il répond. C'est pas mal. On a un tour 4 là qui est pas mal. 5-4. Ok, le poulpe. Est-ce qu'on ferait pas ça tout de suite? Il est à 2. Si on fait ça, on tape. Il va avoir une arme à combien? À 5. Mais il va pas pouvoir trade toutes ces merdes là. Il va pas vouloir le faire. Or que là, on risque qu'il fasse ça. Qu'il tape, qu'il redague et qu'on l'ait deux fois. Avec un peu de chance, ça tape à 4 même.
Parfait. Parfait. Et bon, ok. Après qu'il est, il a peut-être l'éventail, hein. Un autre. Oh. Pièce, arme. Il n'y a plus de pièces. Bon, il faut le trade. Là, globalement, il faut trade. Ça change rien. Ok. Il a 18 quand même, il a bien chargé. Boucanier, ok. Ah, ok, intéressant. En deux fois. Bien ça. Voilà pourquoi il est bien le grizzly. C'est pas mal ça. Ça demande, c'est dommage. Est-ce que j'empalerai pas ça là pour faire ça? Parce que si j'envoie ça et ça, c'est les deux meurent. Quel intérêt? Quel intérêt? Quel intérêt? Aucun intérêt. Alors que là, j'ai l'étal, j'ai 3 de dégâts dans la main quand même. Facilement. Sans la victoire, ça. Ok, ça c'est bon, c'est parfait. À moins qu'il ait un soin, c'est fini pour lui. Même s'il a un petit soin, ça suffira pas. Bien joué. 7-0. Il fonctionne bien le deck. Hein? 15 cartes des bons, parfait. On fait la bonne quête qu'il faut au bon moment. 7-0. Que demande le peuple? J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour dire que je suis vraiment un grand joueur d'arène. N'hésitez pas à partager et à faire des commentaires et ça. Puis on se retrouve très bientôt pour la suite de cette arène. Allez, bye, ciao!